quand bien même ils en recevraient l'ordre, qu'ils n'y obéissent pas, qu'ils ne tirent pas. Les conventions internationales qu'a signées la France, les coutumes de la guerre telles que les pratique la France, excluent que l'on vienne à tirer sur une foule de manifestants. Nous voulons dire à nos militaires que notre confiance en eux est totale et nous leur demandons de n'accomplir aucun acte contraire aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales que quand bien même ils en recevraient l'ordre, qu'ils n'y obéissent pas, qu'ils ne tirent pas. Différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Qu'est-ce qu'ils ont, par exemple ? Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu. L'ouverture du feu, c'est ce que vous dites ? Ils tirent en l'air dans ces cas-là ? Et ça peut aller, non, il n'y a pas de... Les soldats appliquent les mêmes consignes, ils donnent des sommations dans les cas éventuels d'ouverture du feu, et ils peuvent arriver. C'est arrivé par le passé, hein, je vous rappelle qu'au Louvre ou à Orly, par exemple, des soldats ont été amenés à ouvrir le feu, et donc ils sont parfaitement à même d'apprécier la nature de la menace et d'y répondre de manière proportionnelle. Et s'il le faut, ils pourront donc tirer, c'est ce que vous nous dites ce matin, en cas de danger très grave, évidemment. Si leur vie est menacée ou celle des personnes qu'ils défendent. Là, il faut que tout le monde garde beaucoup de calme. Et j'ai vu beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'approximations et beaucoup de faux débats. Pour ce qui concerne nos militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle, c'est exactement la même chose que ce qui avait été décidé au mois de décembre et à plusieurs reprises par le passé, c'est-à-dire faire appel aux militaires de l'opération Sentinelle pour ce qui est leur mission, la lutte contre le terrorisme et protéger des sites sensibles, pour pouvoir décharger les policiers et les gendarmes de ces missions. Mais en aucun cas, l'armée dans notre pays est en charge du maintien de l'ordre et de l'ordre public. Et donc ceux qui jouent à se faire peur ou à faire peur à certains ont tort.